De quel nom puis-je t'invoquer ? Tu dépasses tout nom. Quel hymne pourra chanter tes louanges ? Quel mot pourra parler de toi ? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. C'est par cette prière d'invocation que nous devons à Grégoire de Nice que je vous accueille ce matin, toutes et tous, pour ce culte que nous sommes venus rendre à Dieu. Pour ceux et celles qui, ce matin ou hier, ont consulté les journaux et qui ont vu qu'il était marqué « Sainte-Seine », qu'ils me pardonnent. Cela fait 5 dimanches de suite que nous célébrons la scène, et nous la recélébrerons à Pentecôte. Alors je me suis dit, un dimanche sans scène, il y a d'autres manières de communier avec Dieu et ensemble. Nous écoutons le psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui ? L'être humain pour que tu t'en soucies. Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, petit ou gros, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court, les sentiers, les mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Prolongeons ce psaume 8 par le chant dans le cœur à cœur. Louons l'Éternel, je vous invite à vous lever. Ce sera les strophes 1, 3 et 4.
Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce jour et pour cette semaine qui vient, nous déposons devant toi tout ce qui alourdit nos vies et qui pourrait alimenter notre ressentiment. Tu sais combien ce sentiment si naturel et si humain nous entame peu à peu et affaiblit notre créativité profonde. Garde-nous de nous laisser enfermer dans la tentation victimaire et réaccompagne-nous chaque jour vers la sublimation et les choix éthiques. Merci de nous accorder le détour de la prière, d'abord silencieuse, sans mots, la prière qui est écoute et qui t'invite à nous rejoindre, à nous visiter. Merci de nous aider à préserver ces temps d'arrêt, même très courts. Merci de nous aider à mettre des mots sur les blessures qui nous habitent, ces cicatrices non fermées qui entachent nos relations et nous empêchent de cheminer avec les autres, dans leur aujourd'hui et dans le nôtre. Remplis-nous de la démesure de ton pardon et de ta bénédiction. Que nos blessures deviennent comme des ports d'accueil pour mieux comprendre les autres et les recevoir avec ta bienveillance. Amen. Écoutons la parole de grâce et de pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et faisons résonner cette parole en nous avec ce chant, le 377. Le cri de mon âme s'élève vers toi, je vous invite à vous lever. Les trois strophes. Seigneur, au moment d'ouvrir les Écritures, nous invoquons sur nous ton Esprit, qu'il fasse taire en nous toute autre voix que la tienne, que pour quelques instants, il nous soit donné de reconsidérer et déchiffrer nos vies à l'aune de ta parole de vie. Que sous ton éclairage, il nous soit donné de tout redécouvrir dans notre vocation première, plutôt que par nos actes et leurs conséquences. Amen.
Notre première lecture est tirée du Cantique des Cantiques au chapitre 2 et non pas le chapitre 1 comme c'est écrit. Je vous invite après, si vous voulez, à lire l'introduction du Cantique des Cantiques qui est dans le feuillet. J'entends mon chéri, le voici, il vient, sautant par-dessus les monts, bondissant par-dessus les collines. Mon chéri est comparable à une gazelle ou à un faon de biche. Le voici, il s'arrête derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon chéri chante et me dit, debout toi ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Car voici que l'hiver passe, la pluie cesse, elle s'en va. On voit des fleurs dans le pays, la saison de la chanson arrive, et on entend dans notre pays la voix de la tourterelle. Le figuier mûrit son fruit vert, et les cèpes en bouton donnent leur senteur. Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli. Thank you.
Notre deuxième lecture est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je prie les miens, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. En ce dimanche 16 mai, nous sommes très exactement entre le jeudi de l'Ascension et le dimanche de Pentecôte. À l'Ascension, le Christ a quitté ses disciples après leur avoir tout expliqué pendant 40 jours entre Pâques et l'Ascension, tout réexpliqué encore une fois. À l'Ascension, Jésus a dit à ses disciples, en quelque sorte, « Si je reste devant vous, vous moutonnerez derrière moi, vous ne prendrez jamais vos responsabilités. Alors, maintenant que vous savez tout, je m'en vais auprès du Père. Mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai une autre présence, qui est celle du Saint-Esprit, et c'est le propre de la fête de Pentecôte. » Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche entre. On pourrait se dire que c'est un jour anodin, qui ne sert à rien, où il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait entre ? Rien, vraiment ? Que faites-vous entre deux de vos anniversaires ? Vous vous souvenez du précédent ? Et vous vous réjouissez du suivant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Arlette Bollet. Elle s'est excusée de ne pas être là et qu'on ne puisse pas chanter pour elle. Mais rien ne vous empêche de l'appeler. Que fait-on entre ? Aujourd'hui, il y a un métier qui consiste à faire de l'événementiel. Donc l'événementiel, on le fait. Mais entre ? Que fait-on entre ? D'autant plus que notre vie est faite principalement de ces temps entre. Alors bienvenue à ce culte. En réfléchissant, ce qui est entre,
Entre vous et nous, comme le dit l'un des messages que vous recevez de temps en temps de l'Église, ce qu'il y a entre, c'est ce qui permet la relation. C'est ce qui permet d'être autre par rapport à avant. Et c'est ce qui permet la relation, une relation qui n'est pas que fusionnelle, puisqu'il y a entre. Cet entre est en même temps l'une des dimensions fondamentales de la foi. Entre nous et Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne serons jamais Dieu. Alors, l'un des enjeux clés de la foi à travers l'histoire a été et est encore de rétablir toujours cet entre. Partout où il y a risque d'enjamber ce temps, de prendre la place de Dieu, et l'un des risques les plus flagrants de cela, eh bien c'est ce qu'on appelle le fanatisme. Il faut convenir que le entre n'est pas toujours très confortable. C'est un temps fait d'ambivalence, d'ambiguïté, de doute. C'est pas un de ces temps forts, vous savez, où vous allez bien. C'est plutôt un temps de combat intérieur. La tradition propose pour ce dimanche entre de nous faire lire et méditer un extrait de la prière dite sacerdotale. On fait la même chose ce matin dans les églises catholiques, une manière d'être en communion avec elle. Cela signifie que la tradition nous propose, nous invite à habiter le temps entre de prière. Tout à l'heure, je vous ai dit, de façon un peu crue, qu'est-ce qu'on fait entre ? Alors on prie. Et l'idée n'est pas inintéressante. La prière sacerdotale, c'est un chapitre de l'évangile de Jean, un chapitre entier. Elle est à la fois l'aboutissement de toute une réflexion théologique dans l'évangile de Jean qui vont du chapitre 1 au chapitre 12. Ensuite, à partir du chapitre 13 au chapitre 16, il y a ce qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus à ses disciples, ce moment où il les prépare à la séparation, à ce moment où on se quitte. Et Jésus, ou du moins l'évangéliste Jean, nous propose de terminer ce temps par un chapitre de prière. Ça veut dire que si vous êtes habité par le tourment, où vous voulez toujours expliquer et expliquer encore davantage, essayer de justifier, de donner une ultime explication, ce que nous faisons souvent dans nos vies, eh bien c'est ce que Jésus ne fait pas. Dans ce passage et dans cet évangile, puisqu'après avoir enseigné, après avoir donné ses directives d'adieu, à un moment donné, il s'arrête et il prie. D'aucuns ont pensé que si Jésus est Dieu, il n'aurait pas besoin de prier, de se prier à lui-même. En quelque sorte. Et ceux qui essayent de s'en sortir avec ce texte pourront dire « Mais c'est le Jésus-homme qui s'adresse au Jésus-Dieu. » Peut-être. Mais vous avez entendu que quand Jésus prie, il commence par dire « Père, glorifie ton Fils de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ça veut dire que c'est le glorieux qui s'adresse au glorieux. Donc, encore une fois, Jésus avait-il besoin de prier ? Et pourtant, il prie. Peut-être justement pour nous dire quelque chose de ce temps entre. Cela pose la question, c'est quoi une prière ? Qu'est-ce que vous faites quand vous priez ? Est-ce juste déverser sur Dieu ce trop-plein qui jaillit de nous, de mal-être, de reproches, de colère, de désillusion? Est-ce cela la prière? C'est certainement
aussi cela, la prière. Mais alors, est-ce la prière chrétienne? Tout le monde peut faire ça, déverser son trop-plein. Mais alors, c'est quoi la prière chrétienne? Bonnefer, dans un petit opuscule intitulé « Le livre des prières de la Bible », rend attentif au fait que la prière ne va pas de soi. Sinon, les disciples n'auraient pas dit à Jésus « Apprends-nous à prier ». En plus, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Ça veut dire qu'il y a la prière de Jean, il y a la prière de Jésus, il existe donc plusieurs manières de prier. Et si prier ne va pas de soi, la prière naturelle n'est pas nécessairement celle de Jésus et donc pas nécessairement la prière chrétienne, celle qui déverse, c'est la prière naturelle. Alors vous voilà peut-être, comme moi, un peu embarrassé. La prière naturelle qui jaillit ou déborde du cœur par une prolifération de mots risque de créer la confusion entre nous et Dieu, entre le ciel et la terre, entre l'humain et Dieu. Elle risque justement d'enjamber ce temps entre Dieu et nous. Le temps entre veut nous épargner de nous prendre pour Dieu ou de croire que ce que nous vivons est Dieu. Alors c'est quoi la prière chrétienne? Il n'est pas anodin de constater que Jésus, dans sa prière, commence par dire, après avoir dit cela, il lève les yeux au ciel et il dit « Père ». Alors je ne sais pas si pour votre prière, vous levez les yeux au ciel. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de découvrir qu'il y a comme un espace que Jésus crée par ce geste entre lui et le ciel. Une césure, une rupture. Et ensuite, il met le mot « Père ». Prier, c'est certainement, pour une part, déverser sur Dieu notre trop-plein. Mais prier la prière chrétienne, c'est au cœur de notre combat humain retrouver le chemin de Dieu, ou plutôt retrouver le chemin qui part de Dieu. Donc réintroduire, si vous voulez, Dieu dans notre vie, par notre prière, à travers ce premier mot, Père. C'est ce que nous faisons avec la prière du Notre Père. Les trois premières demandes commencent par Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous prenez un risque quand vous dites cela. Puis après vient la prière, donne-nous notre pain de ce jour. Là, ça pourrait être la prière naturelle et même païenne. Tout le monde a besoin de pain. Mais de le faire précéder par trois demandes qui placent Dieu au cœur de la vie et de la prière, c'est peut-être cela. La prière chrétienne. Alors une manière de retrouver la prière chrétienne, c'est peut-être au cœur de sa prière, se demander en quoi est-ce que ce que je vais dire concerne Dieu et moi avec lui. Et peut-être y a-t-il des éléments dans cette prière chrétienne qui ne me conviennent pas, parce que je risque encore une fois que ta volonté soit faite de m'exposer à quelque chose qui ne me convient pas. Ça fait partie de la démarche de la prière. Alors Jésus nous laisse un outil pour façonner notre prière, pour nous permettre de déchiffrer notre vie à la lumière de la prière. L'outil pour façonner notre action et même d'abord notre prière, ici, c'est la parole. Le mot revient par deux fois. Je leur ai donné ta parole. Une parole qui n'arrange pas nécessairement les bidons, qui ne fait pas que tout devient simple. Une parole qui ne nous épargne pas du monde, puisqu'il y a cette parole, il continue dans le monde. Moi, je ne suis plus dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde.
Et elle a toute une tension qui est aussi exprimée dans le Cantique des Cantiques entre ces deux personnes qui se parlent. La tension de l'être entre le monde, pas du monde, mais dans le monde. Une parole qui est une mise en perspective avec pour dessein de nous conduire à la joie. Étonnant, cette invitation à la joie. Le dessein de la prière façonné par la parole, c'est la joie. Jésus le dit, il parle de joie par trois fois dans l'évangile de Jean et à chaque fois dans son discours d'adieu. Donc dans les chapitres qui précèdent et dans cette prière. Un moment de séparation où spontanément on ne pense pas à la joie. Et pourtant, dans ce temps entre, Jésus glisse la joie. La joie, ce n'est jamais la conséquence d'un acte. Il y a quelque chose qui s'arrête quand la joie survient. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « sois joyeux » et avoir un effet immédiat. Vous ne pouvez pas non plus agir pour être joyeux. La joie, elle vient toujours d'ailleurs. Elle est inopinée, inattendue. Et dans l'extrême combat que signifie la prière d'adieu, eh bien la joie vient rétablir une dimension autre qui peut-être nous fait quitter la conséquence ou l'action dans laquelle nous sommes sans cesse pour nous remettre en lien avec la vocation d'où nous venons. Habiter le temps entre pour retourner à sa vocation première. Et celle-là est faite de joie. Alors pour récapituler en quelque sorte et pour terminer, le temps entre l'ascension et Pentecôte. Jésus cesse d'enseigner, il cesse d'expliquer son départ à ses disciples par le discours d'adieu. Il prie. Dernière et ultime parole, Jésus prie. Bien que Dieu lui-même, il prie, à la rigueur il se prie, il habite un espace où il réinstaure un espace de non-confusion entre l'humain et Dieu, entre lui et Dieu, si vous voulez. La prière chrétienne qui n'est pas que déversement de ce qui est le trop-plein de nos vies, mais la prière chrétienne qui est tentative de rétablissement de Dieu dans nos vies. La démarche ne consiste pas à nous ôter du monde, mais à nous accompagner dans le monde. Jésus qui prie pour nous, pour que nous arrivions à tenir dans ce monde, sans entrer dans la confusion avec le monde, en restant toujours des témoins qui interrogent ce monde. Cette démarche ne sera pas toujours facile. Elle se veut au nom de valeurs qui ne sont pas les valeurs du monde. Mais cette démarche a pour dessein la joie, une joie qui n'est jamais le résultat d'une action, qui est toujours un cadeau de Dieu. Alors dans ce temps entre l'ascension où Jésus est monté vers Dieu et la Pentecôte où il nous enverra son aide, son esprit, Jésus prie, il prie pour nous. Il nous accompagne de sa prière. Jésus accompagne les siens pour les équiper, pour nous accompagner dans notre prière et notre action, pour que toujours à nouveau nous puissions quitter ce terrain du faire, pour réparer encore et encore, mais pour retourner dans l'appel de Dieu que nous avons reçu. Une vocation première à la source de Dieu le Père et de sa joie. Si je devais maintenant articuler cela, et je terminerai par là, ce que je viens de dire par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre monde, et notamment à Jérusalem, à propos de ce temps entre, appliquer cette réflexion à ce qui se passe au Proche-Orient,
Ma question aux Juifs ultra-orthodoxes qui pensent que cette terre leur appartient serait celle du risque de la confusion entre Dieu et l'humain, si pieux soit-il, et la nécessité de la rupture qui laisse Dieu être Dieu, l'autre être autre. Ma question serait encore celle de la plus ancienne confession de foi, tirée du livre du Deutéronome, et qui commence par « Mon père était un araméen errant ». Ou encore celle du livre du Lévitique qui parle du traitement de l'étranger chez soi. Ça, c'est ma question aux Juifs ultra-orthodoxes. Ma question à ceux et celles qui envoient des requêtes, pleines de compréhension, bien sûr, pour le désespoir des Palestiniens, serait aussi celle de l'utilisation à des fins politiques et à son profit personnel, parfois, d'un parti politique, de ce conflit. Et là encore, comment rétablir l'autre ? Ma prière de foi et de confiance irait pour tous ceux et celles nombreux, mais qui font moins parler d'eux, qui au milieu sont ces Juifs et Palestiniens qui luttent ensemble pour le vivre ensemble et qui, mieux que d'autres, sont, expriment, habitent. Au mieux, à mes yeux, le temps entre. Amen.
Je vous invite à dire ensemble la confession de foi qui se trouve dans vos feuillets. Elle nous est donnée par l'Église réformée de France, aujourd'hui l'Église protestante unie de France. Je vous invite à dire ce qui est en gras. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les humains. Et je vous invite à fredonner le cantique 393, les strophes 1 et 3. Je vous invite à vous lever pour fredonner ce cantique. Je voudrais commencer ces annonces par un immense merci à Margot Boitard. C'est à elle que vous devez ce culte. Elle est venue avec des morceaux de musique, nous avons cherché ensemble, et puis nous avons construit ensemble ce culte. Madame la présidente de la commission musique, vous voyez que les ouvrières travaillent bien. À partir d'aujourd'hui, comme moi, vous savez qu'un sacboute n'est pas une insulte, c'est un instrument de musique. Ce sont les ancêtres du trombone qui ont joué aujourd'hui. Ils sont deux, alors maintenant il faut juste que je retrouve leur nom, Morgan Jaffré et Davide Lombrito. Est-ce que vous voulez descendre? Vous descendrez à la fin du culte pour que les gens vous voient, pour vous remercier. Nous remercions les personnes qui se trouvent sur le feuillet, Walter Zoss et François Debay pour l'accueil, un qui a échappé à la saisie de la secrétaire, alors que je l'avais pourtant mis, il y a toujours des choses qui nous échappent comme ça, c'est le nom de Jason Debay qui est en ce moment à côté et qui assure la transmission avec à côté. Vous savez, ces personnes qui sont tellement difficiles à trouver,
parce que c'est pas tellement notre génération. Enfin, pas la mienne. Et alors, comment dire, il y a la présidente, elle, c'est encore de sa génération, puis il y a les autres, comme le vice-président, ben lui, il a un fils qui sait manier ses outils. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui nous bénéficions du travail de Jason, merci beaucoup. Merci aussi à Jean-Paul qui est venu épauler Kouzou Afonso pour la mise en place des lieux. Je salue, pour que vous sachiez qui c'est, notre modératrice à partir du mois de septembre, c'est Laurence Mottier-Cochet. Elle est de votre paroisse, elle a grandi dans votre paroisse, merci d'être là aujourd'hui. Elle visite déjà les paroisses, vous voyez, ou alors aujourd'hui, ce matin, elle est peut-être là uniquement comme simple paroissienne, voilà. Donc je la laisse pas tranquille, je suis désolé. Sur les annonces, je vous invite à être attentif particulièrement au fait que le dimanche 30 mai, donc dans 2 semaines, il y aura 2 baptêmes confirmation ici. Les confirmations ont été renvoyées au mois de septembre, mais pas tous les jeunes ne sont à Genève au mois de septembre et certains vont même jusqu'au Canada. Alors, l'une d'entre elles devait confirmer avant l'été et une autre l'a accompagnée là-dedans. Alors, vous voyez que nous commencerons à 8h15 à la plage de la Savenière pour le baptême de Noémie Stélé et ensuite pour la confirmation d'Audrey Engeli avec Noémie, ici dans ce temple à 10h, le 30 mai. Pour ceux qui veulent assister au baptême par immersion au lac, c'est à la plage de la Savonnière. Je vous rends attentif aussi au projet des post-cathés. Il figure sur votre foyer. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'oublie? Oui. Nous sommes une équipe qui allons partir. C'est ça? Voilà, bonjour, un petit mot, d'abord bon dimanche. En effet, je vous dis 2 mots sur le voyage qui va avoir lieu, donc à partir de mercredi jusqu'à dimanche y compris. Nous allons, un groupe de 33 personnes aujourd'hui, sur les traces de Zwingli, c'est-à-dire essentiellement autour de la région de Zurich. Voilà, donc c'est un beau voyage, nous ne serons pas là certainement dimanche prochain, parce que nous rentrerons vers la fin de la journée. Voilà, ça c'est pour le voyage. Donc normalement ça se passe bien, tout est organisé, les mesures sanitaires sont prises et ça devrait bien marcher. Deuxièmement, je me permets de vous rappeler que le même dimanche prochain, vous avez reçu ce petit foyer, il y a le concert de Fabiola à 17h. Malheureusement, les voyageurs n'y seront certainement pas, on ne sera pas de retour à 17h, mais voilà, donnez-lui tout l'écho que vous pouvez. C'est un des premiers concerts qu'elle refait depuis une année et c'est pour elle une façon aussi de signaler qu'elle travaille et qu'elle elle aimerait peut-être une reconnaissance. Voilà. Maintenant, troisième chose, la dernière. Je vous signale, je serai à la sortie pour la CAT. Vous voudrez bien, si vous voulez signer, la CAT, c'est l'action des chrétiens contre la torture. Il s'agit aujourd'hui des cas du Vietnam. Vous savez que depuis le Vietnam est réunifié, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Et pour ceux qui ne pensent pas comme il faudrait penser, eh bien, de temps en temps, la vie s'arrête ou la vie disparaît. Voilà, donc il y a des noms où nous demandons simplement que ces personnes qui ont disparu ou qui sont quelque part reviennent dans le monde vivant. Voilà, je serai donc à la sortie ici à droite, si vous voulez bien. Et puis sinon, je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. Nous prions Dieu. Seigneur notre Dieu, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, en arrivant à leur village, t'ont contraint d'entrer, t'ont pressé d'entrer en Jésus-Christ. Par notre prière, parfois, nous cherchons à te contraindre d'entrer, te presser d'entrer. Une manière de tenter de te faire de la place en nous pour que tu nous libères de ce qui nous encombre.
là où nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes. Tu nous ouvres à la tendresse, à la miséricorde qui est en toi. Là où nous avons peur de manquer, tu nous aides à regarder ce manque comme une source de fécondité. Et puis, dans ce temps de prière où nous te pressons d'entrer, nous cherchons à trouver une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Aujourd'hui, nous nommons devant toi celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil, de maladie, un temps où ils ne comprennent plus rien. Et puis aujourd'hui en particulier, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui, en Israël, Palestine, juifs et musulmans, israéliens et arabes, œuvrent ensemble pour la compréhension mutuelle, le partage et la paix. Garde-nous accueillants, Seigneur, à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance. Donne-nous de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons maintenant, une fois encore, dans le silence de la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous chantons, nous fredonnons au cantique 318, la strophe 1. Qui regarde vers le Seigneur est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Et nous tous qui reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande, par le Seigneur qui est Esprit. Dieu vous bénit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sa joie vous éclaire et rayonne à travers vous dans le monde. Amen. Thank you.
Alors j'invite les musiciens à descendre, comme ça, avec leurs instruments, que les gens puissent voir cet instrument, l'organiste peut-être aussi, sans son instrument.